Bonjour à toutes et à tous, c'est les petits saucisses, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Pokémon Rouge Feu. Et aujourd'hui, bah, c'est parce que nous avons dépassé les 2500 abonnés. Merci à beaucoup, merci beaucoup à vous tous et toutes. On a du mal à parler aujourd'hui. Alors, bah, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. 2500 abonnés, c'est énorme, c'est magique, c'est super. Il faut continuer en route pour les 2600 maintenant. Et pour ça, bah, aujourd'hui, un nouvel épisode de Pokémon. Alors, la dernière fois, nous avions capturé Sulfura, nous avions bien exploré l'île Number One, et donc, il n'y avait plus rien à faire. Enfin, normalement, ouais. Donc, on va, normalement, si on peut, je crois qu'on peut quitter l'île 1 et passer sur l'île numéro 2. L'île 2. Très bien, tout le monde à bord. La flèche des mers 2 va partir. Ah oui, c'est très rapide, ouais. Bon, allez, au programme du jour, donc, l'île numéro 2. Alors, danger rapide, surf et pêche. On peut explorer. Ah, d'accord. Bonjour. Il y a une femme qui vit au bout du cap. Elle fait des commentaires sur les Pokémon. C'est super troublant. D'accord. Il y a un truc en bas. Ah. Oh cool. Un rappel. Ça c'est utile ce truc. Eh, on va aller voir ce qu'il y a dans le centre Pokémon. Hein. Salut. Tu connais la salle de jeu. Si tu y vas, n'oublie pas d'amener des amis avec toi. Et toi? Peu de monde habite sur l'île 2. Il y a une vieille fille qui habite au bout du cap. Personne ne sait depuis quand elle habite là-bas. Ok, bon. Eh ben, on va continuer d'explorer. Alors ici, c'est quoi? Le bonheur à deux. Un. Bonjour. Boing, boing. T'as essayé le jeu de saut, il te faut des Pokémon qui peuvent faire boing, boing. Il y en a qui font boing et d'autres boing. Tu savais pas? Toi, faut vraiment te faire soigner, mon vieux. Sinon, ici... Bonjour, bonjour, je suis le dingue des capacités. Ah, je connais chaque capacité que les Pokémon peuvent apprendre. J'adore aussi les champignons. Ramène-moi des petits champis ou un gros champi. Si tu fais ça, j'apprendrai une capacité à un Pokémon. Si tu veux, j'enseigne une attaque à ton Pokémon et reviens avec un champignon ou deux. Des champignons. Wolé. Ok, vaut mieux pas savoir ce que tu veux avec les champignons. Bon, c'est bon à savoir. Si on trouve un champignon, on viendra te voir. Et ici, c'est quoi? Salle de jeu affrontée aux adversaires. Bon, est-ce que l'hostel est encore passé? Elle doit déjà être là avec mon repas. Hey! Bonjour, tu connais l'hostel? Est-ce que tu l'as vu? Elle devrait déjà être là. Et ici, Mignonne qui est... J'espère qu'il n'y est rien d'arrivé. L'hostel, je t'en prie de m'aller la chercher. Va voir sur l'île 3. Né, c'est quoi cette salle de jeu? Ça craint vraiment ici, wesh. Les imbéciles disent qu'ils m'attendraient sur l'île. Où est-ce qu'ils sont? Et toi, c'est bien la seule île 3 ici, non? Ouvre les yeux avant de sortir du lit, crétin. Tu es sur l'île 2. Allez, pars d'ici et emmène ta fichue moto avec toi. Hein? J'ai compris. Quelle idée d'appeler ces îles comme ça aussi. Wesh. Regarde ce voyou à rayer tout le sol. D'accord. Ok, donc alors on nous donne une mission pour l'île 3. Ouais, mais le programme du jour c'est explorer l'île 2, mon cher. On fera ça plus tard. Ce type là, il est venu de Celadopol pour s'installer ici. Il a ouvert un stand avec son jeune frère. Je demande si c'est dans quoi il s'est embarqué. Salut. Oh, bienvenue dans ma boutique. Nous avons ouvert que très récemment. Nos stocks sont limités, mais j'espère que vous servir au mieux. Super bowl et eau fraîche. J'aime bien de prendre 5 eaux fraîches, tiens. Tant qu'on y est, hein. Et je me fais rien, je te donne pour toi.
Je te vends ça. Voilà. Mais salut! Alors. Cap falaise. D'accord. Attends, il doit y avoir un truc dans l'eau. Tout bon explorateur qui se doit regarde tout partout. Alors. Ça, il faut avoir la CS cascade. Donc on va sûrement avoir la CS cascade qui nous manque. Merde. Wow, pas mal. Tiens. Essaye de l'avoir ce connard. Merde. Ah non, il l'a pas buté, ça va. On va essayer de le capturer. Ça fera un Pokémon de plus pour le Pokédex. Et voilà. Ça c'est fait. Alors. Rapace de pique. Ses ailes gigantesques lui permettent de planer très haut dans le ciel. Il peut rester toute une journée en l'air sans avoir besoin de se poser. Donne un surnom au Pokémon au rapace de pique capturé. Non. Il a été transféré sur le PC de Léo. D'accord. Yo, j'ai amélioré la possibilité ultime de ce type. Quelqu'un voudrait-il l'apprendre pour plus tard? Alors. Toi, ce Dragofeu? Oh, c'est lui, c'est le Pokémon! Le Dragofeu mérite d'apprendre ma capacité ultime. Tu es d'accord? Laisserais-tu Dragofeu apprendre Rafale Feu? Je connais pas, mais vu le nom, j'ai envie d'appuyer sur oui. Cette capacité ne peut être apprise qu'une fois, ok? Bah, pas de soucis, tu veux bien, oui. Alors, laisse-moi enseigner Rafale Feu à ton Dragofeu. Je vais apprendre Rafale de Feu, mais connais déjà 4 capacités. Alors, Rafale Feu, c'est quoi? Oh putain! Ah ouais! Ok, d'accord. Ok, je vois l'attaque. Ok. On va enlever Flamèche. Ou lance-flamme. Ouais, vaut mieux. Ouais. Là, on va le préparer, Dracofeu. On va le mettre en mode. Ligue des. Conseil des 4, là. Ah, je ne pensais pas avoir la chance de pouvoir un jour l'enseigner. Merci. Allez, sayonara. Alors. Ok. C'est tout ce qu'il y a sur l'île 2. Wesh. Ok. Ok. Je sais pas, est-ce qu'on fait une vidéo de 7 minutes? Non, quand même. Bon, bah, finalement, ouais, on va aller sur l'île 3. Bon, bah, suite du programme, alors, on va explorer l'île 3 et voir ce qui se passe. On va faire un peu d'histoire. Allez, on quitte cette petite île. Attends, y a pas des trucs sur le côté? Non. Oh, hey, Moussaillon, où veux-tu aller? Île 3. Très bien, tout le monde à bord. La flèche des mers 2 va partir. Piou! Bon. Alors, voici l'île 3. Ah ouais, il y a beaucoup de motards. Ok. On va voir les Pokémon alors. 44, 45, ok, d'accord. Dracofeu doit vraiment être premier. C'est parti. Ah, qui êtes-vous? Je vais appeler la police, mon voyou. T'es qui toi? Dame, t'aurais pas du liquide sur toi là, wesh? Oh lol. Wesh, on est les Kanto Angels. Vroom, vroom, vroom. La honte, je dois faire le bruit de ma bécane tout seul. Ouais, t'es vraiment zinzin. Oh, une grotte. Bonjour. Hé, toi, comment ça va? Tu veux savoir ce que je fais? Je suis chercheur d'or. Quand je serai riche, j'achèterai une maison à Kanto. Et tout ça pour ça? D'accord. La grotte qui sert à rien. Bien, nous voilà à l'île 3. Alors, première maison. C'est quoi ça? Ouais, y'a personne. Bon. Alors, sinon, t'es qui toi? Ya, à partir d'aujourd'hui, cette île nous appartient! C'est ce que tu crois, mon vieux. Oh, y'a du monde par là, mais on va d'abord voir s'il n'y a pas quelqu'un d'intéressant ici. Le surf ne peut être pratiqué entre ces îles. Les courants sont beaucoup trop dangereux. Et toi? Et si on broyait des baies? Il y en a tellement au bois baie que ça serait pas du gâchis. Et toi que t'es à côté du truc là. Oh,
T'es au courant? Notre réseau peut enfin se connecter au PC de Kanto. Je sais pas comment ils ont fait, mais la vache, c'est génial. Alors. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Wesh! C'est toi le chef de cette bande? Repartez pour Kanto, maintenant! Ah, comme c'est dommage, je viens juste d'arriver. Quel manque de courtoisie, tu arriverais presque à m'énerver. Votre gang de motards a semé la panique depuis son arrivée ici. Est-ce que vous vous rendez compte des problèmes que vous créez sur cette petite île? Non, mon gars, je me rends pas compte du tout. Regarde autour de toi, y en a rien à faire ici. On vous apporte un peu de changement. Mais si tu tiens tant à retrouver ta vie ennuyeuse, tu peux toujours essayer de nous faire partir. Grrr, bande de lâches. Vu, faites les durs parce que vous êtes en groupe. Oh, la victime. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va devoir aller l'aider. Tintintin, super les petits à la rescousse. Quoi? Qu'est-ce que tu mates, là? Qu'est-ce que tu mates? Tu sais pas ce que c'est? Tu sais pas que c'est pas poli? Tu cherches vraiment à ce que je m'énerve ou quoi? Ouais. Ah, t'as du cran au moins. Tu vas te souvenir de cette raclée. Et là, il aurait presque réussi à me faire rire. Gabin. Smogo. Pardon. On ne se moque pas d'un adversaire plus faible que soi. Tiens, on va tester ça. Ok. Merci. Franchement utile l'attaque. Doit se recharger. Non. Acide armure. D'accord. Qui veut du tas de mort grillé? Bien. Quoi? Je peux pas le croire! Ne t'avise pas de te moquer! T'es pas de Kanto! Tu devrais être de notre côté! Non. 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 Déjà, j'aime pas les motos. Voilà. J'aime pas les deux roues. J'aime pas les deux roues! Je vais vous faire bouffer vos roues! J'aime pas les deux roues! Comme dans GTA, qu'est-ce que tu crois? J'aime pas les deux roues. Allez, à l'attaque! Ah bah, les deux roues! Vive les voitures! L'off! Et voilà. Drac au feu. Niveau 45. Bien. Arrête de te la raconter là! Let's go, maman! C'est quoi ton problème? T'as pas besoin de t'énerver, vraiment, pas cool. On a demandé au chef de venir ici. Mais t'as tout gâché. Tu nous fous la honte. Eh, mais attendez, je devais changer de Pokémon. Oh, fais chier, hein. Gabin, mais ils s'appellent tous Gabin ou c'est un nom d'emprunt? Eh, bonjour, je m'appelle Patrick. Bon, dorénavant, tu t'appelleras Gabin. Oui, monsieur. Comment tu t'appelles? Gabin. Et ton nom de famille? Gabin. Gabin? Ouais. C'est comme ça. N'importe quoi. Au revoir, Gabin, une troisième du nom. Bah, tu dois faire quelque chose contre ce mioche. Je t'ai regardé, t'en as vraiment fait assez, tu crois pas? T'es qui? T'es avec eux ou quoi? Alors tu vas te battre à leur place? Ok. Et toi, tu vais te niquer la gueule d'une force stratosphérique, t'auras... Oh, enfin! Alléluia, il s'appelle autrement que Gabin. Kevin! C'est pas mieux, mais c'est déjà mieux que rien. Salut, salut! Et salut! Et salut, mec, à la prochaine! Allez, merci, au revoir, bonne journée! Wouhou! Alors, nous allons passer sur Recarnage. Recarnage, tac. Et c'est parti. On est dans la merde. T'as vraiment une puissance de crottin, hein. Franchement, tu fais honte, la Recarnage. Lilliput. Lily, c'est une pute. Elle fait ça toute la journée. Toute la nuit. C'est Lily pute.
Oh non. Tiens, dans ton cul. Tchou. J'ai rien compris à cette attaque de merde. Acide armure, c'est franchement l'attaque de merde qui sert à rien. Bon. Ok, ça suffit, on va partir. On est bien content de quitter cette île de vieux. Non mais oh. On en avait marre de ces bouseux de toute façon. Yeah. Désolé, deux secondes. Salut. Merci du fond du cœur, ce voyou ne crée que des problèmes. Oh regarde, tu as un Pokémon blessé. On sent une guérison. Mais, et je viens de le soigner, bouffon. Tes Pokémon sont vraiment impressionnants. Si seulement quelqu'un fort comme toi pouvait habiter ici, j'espère au moins que tu resteras quelque temps. Pardon. Oh, tu cherches Lozelle. Elle est partie vers le pont du lien il n'y a pas longtemps. D'accord. Bonjour. Qui es-tu peut-être? Tu veux un bonbon? Tu veux un bonbon? Hein, hein. Moi non, je m'appelle pas Lozelle. Elle est peut-être au bois B. Elle y ramasse souvent des baies pour faire à manger. Ok. Direction le bois B. Tiens. Je vais aller dresser mon dos du haut dans les bois B. Quand il aura évolué, on ira jouer à un jeu sur l'île 2. D'accord. Tiens, le shop, il tombe bien, lui. Ah, tiens, j'ai besoin de refaire mon stock. Y'a quoi dans cette baraque? Tu ne dois jamais, je dis bien jamais, aller au bois B. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont remplis de fantômes. Papa, arrête pas de me mentir pour que j'aille pas jouer dehors. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gauche? Mais d'accord, c'est la suite. Ça, c'est quoi? Impossible, j'arrive pas à plier cette cuillère avec mon esprit. T'as entendu parler d'une fille champion d'arène de Safrania? Elle utilise des Pokémon psy, c'est bien ça. C'est le genre de personne que j'admire vraiment. Elle, en plus, elle est super mignonne. L'autre essaie de plier une cuillère et l'autre veut se taper la folle. Elle est la plus populaire du coin et ça manque pourtant quelquefois d'animation, mais je souhaite vraiment que ces motards ne reviennent pas. D'accord. Avant d'aller voir la dernière maison, je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans. Là. Et il y a une Pokéball. Zinc. D'accord, le truc le plus utile du monde. Je rigole. Dernière maison. Alors, dernière maison, c'est que... On est en train de faire... De se laver les mains ou quoi? J'ai acheté cette maison pour vivre dans un coin tranquille. Je pense que je vais aller pêcher un peu aujourd'hui. Ok. Ouais, sympa cette île, dis donc. C'est calme. Je ferais bien ma maison là dans ce coin-là, là, tu vois. On fait un trou, déforestation. Oh, ça va, on coupe 3 arbres. Je demande pas non plus une grosse maison. Hein. On coupe 3 arbres, je mets 3 buissons comme tout le monde et voilà. Tiens, il y a un truc ici. D'accord. Tout ça pour rien. Ok. Merde. Ah. Allez. Bonjour. Eva, tu vas vite comprendre quel est notre Pokémon favori. Jumelle Béa et Eva. Mélofée. Dracofeu, Garnage, merde, j'ai oublié de faire le changement de Pokémon. Alors, Lance-Flamme. Cruel. Au cas où. -1.
Sol, force cosmique. Et voilà, ça c'est fait. Oh, Béa. D'accord. Salut. Qu'est-ce que tu cours si vite? Où est-ce que tu cours si vite, pardon? Oula. Moi, apprendre à lire, vite. Oh. Vas-y, lève la jupe, ouais. Violette. Violette, je vais te bips. Pardon. Merde, mais à chaque fois j'oublie. Pff, oh, mais non. Allez, recarnage, au travail. Alors, vol. Ah, poudre de dos dans tes fesses. Allez, salut. Moins un. C'est vraiment pratique l'attaque vol, hein, putain. T'as un tour pour te voler, t'envoler et un tour pour faire très très mal. Boum. Allez, salut, au revoir, bonne journée. Bah, 46. Bah. Tu t'occupes vraiment bien de tes Pokémon. Je vais m'occuper de toi, tu vas voir. Pardon. Allez, salut. Oh, une plage. Bonjour. Une petite fille en bouée. Yeah, yeah, Pokémon. Qui ne saute pas n'est pas Pokémon. Hey. L'auteur Alexis. La pauvre, elle s'appelle Alexis. Ça colle pas trop. Enfin bon, après, hein, c'est le problème. Je m'en fous. Voilà, je perds un tour. Tant pis pour toi, Eurocarnage. Hein, c'est ma faute, mais c'est la tienne quand même. Pardon. Camouflage. Pff. D'accord, tu sers franche. Allez, prends le type sol. Ok, vas-y. Boum. Salut, bonne journée, salut, allez. On va passer niveau 46. Niveau 46 46, ouais. Goal. Pas mal. Météor, lol. Au revoir. Voilà. Oui, non, mais c'est une attaque qui sert à rien. Même si tu augmentes ta défense, vol, pan. Et merde! Mince, flûte. Que des crabis dans ce jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es nulle petite. Allez, on y va. Salut. Ma maman, elle dit que j'ai pas le droit de nager sans ma bouée. Elle a raison.
flotteuse à Mira, parce que flotteur, flotteuse. Petit art. Recarnage. Ça peut le faire, allez. Pst. Pardon. Allez. Autant changer, ça ira plus vite. Alors. Non, mais ta sœur. Allez, salut. Salut. Allez, salut. Alors. Tant pis. L'odeur de la mer, le sel sur ma peau, ça me donne à la pêche. Oh non, encore, mince, j'en ai mis plein l'écran. C'est pas vrai celle-là. Non mais. Toutes les mêmes. J'ai rigolé. Ah, tu fais caguer toi. Sinon, demain matin, on est encore là. Hein. Demain, on est encore là. Ah, tu saoules. Et dans ton cul. Voilà, ça t'apprendra. Eh mais attends, t'es niveau 46. Voilà. En deuxième, on va mettre Aquali. Alors. Bois B. Y'a rien là-dedans. Oh merde, attends, y'a un truc ici. Oh. Oh, un truc utile. Oh, ça c'est bon ça.
Oh bah tiens ça alors. Désolé, hein, j'ai un peu tendance à vouloir trop accélérer. Oh génial, une île max. Bon, ça sera pour après. Oh, te voilà. Sniff, aidez-moi. Un méchant Pokémon n'arrête pas de m'embêter. Il me fait peur, Sniff. Je peux plus sortir partir. Je vais rendre Zima. Oh, il revient en gare. Un bruit reconnaissable entre mille. C'est toi, Hypnomade. Je t'avais reconnu. Vilgedin, je vais t'assassiner. Mouh, t'es mort. Danse fleur, par ton pouvoir, nique-le. Une fleur sur la forêt. Oh bah t'es, bah tiens, c'est trop facile ça. Yoga. Pour la punition, méga sensu. Bon, bah ça c'est fait. Oh, j'ai eu trop peur, merci beaucoup. Je voulais ramener des bébés. Tiens, c'est pour toi. Tu t'appelles comment? J'ai peur, tu veux bien venir avec moi jusque chez mon papa? Oui, on y va, je rentre à ma maison. Alors c'est vrai, le Celt a été sauvé grâce à ça, a été sauvé grâce à toi. Et comment te remercier? Le Celt, ma chérie, pardonne-moi, papa ne savait pas que tu étais en danger. Tout va bien, papa, grâce à moi. Et? Je suis sûr qu'on se reverra. Qu'est-ce que c'est? Tu dis que c'est pour moi? Comment sais-tu que j'aime les pierres rares? On peut dire que tu sais comment rendre les gens heureux. Dans la météorite au peur de l'hostel. De l'hostel. Oh, je vois, ça vient de Léo. Remercie-le de ma part. Au fait, j'ai moi aussi quelque chose pour toi, pour te remercier. Pierre Lune. Oh, super. Allez, salut! Allez. Eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. On va aller se mettre à côté de lui. Voilà. Ben voilà, c'était un super épisode. Moi, c'était sympa. Donc, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commentaire, pouce bleu, Twitter, Facebook. N'oubliez pas. Et puis ben pour le prochain épisode, ça c'est à vous de voir. En route pour les 2600 abonnés. Allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures sur YouTube. Bisous.